Alors, maintenant, on va commencer avec le partage d'expérience des différents pays présents. So now we're going to be starting with the share of experience of the different countries that are attending. Donc, je vais tout d'abord donner la parole. Alors, on va aller par ordre alphabétique. Hein. Donc, on va commencer avec Monsieur Abdelaziz Boucha, donc sous-directeur de la Grande Zone Arabe de Libre-Échange et de l'Union Africaine du ministère du Commerce de l'Algérie. So we will be starting with Mr. Abdelaziz Boucha, Deputy Director of the Great Arab Free Trade Zone and of the African Union from the Ministry of Trade of Algeria. Donc, Monsieur Boucha, je vous donne la parole. Donnez-moi juste deux secondes pour que j'active la traduction. Merci, thanks, Madame Shiraz. Bien, bonsoir, monsieur. Malgré que je voulais faire mon intervention en langue arabe, mais vu le problème de la traduction, on va essayer de faire de notre mieux et en version française. Alors, je ne voudrais pas me... En premier lieu, je voudrais remercier Monsieur le Président et la Fondation pour ce webinaire. Et j'espère que je ne vais pas répéter ce que mes intervenants ont proposé. Alors, j'essaierai de faire le cadre. J'essaierai de cadrer mon intervention sur un aspect théorique un petit peu, tout en essayant de ne pas se répéter les informations que mes prédécesseurs ont avancées. Alors, j'essaierai de partager avec vous tout ce qui est expérience de l'Algérie et surtout les aspects généraux de notre adhésion à cette zone. En finissant par proposer ou par partager des propositions sur cette zone de libre-échange. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une heureuse année 2020, en particulier après les circonstances rencontrées durant l'année précédente causées par la pandémie de la COVID, tout en espérant que cette nouvelle année apportera de réels espoirs pour notre continent, notamment après le début des échanges commerciaux dans le cadre de notre zone africaine le 1er janvier 2021. Alors, je tiens à adresser mes vifs remerciements aux organisateurs de cet événement qui nous ont donné la chance d'échanger les points de vue, les opportunités et peut-être connaître les défis des implications de l'ASLECA. À cet égard, je tenterai à travers cette intervention de vous informer du chemin parcouru par l'Algérie dans le process de son adhésion à la zone de libre-échange, l'identification du potentiel et des opportunités du marché africain, le rôle économique et commercial de l'Algérie en Afrique, et enfin de passer en revue l'état des échanges commerciaux de l'Algérie avec l'Afrique. C'est les axes qu'on va essayer d'aborder. Alors, en premier lieu, l'idée de la création de la zone de libre-échange, on va essayer de faire un petit historique, trouve son origine dans le traité d'Abuja, signé en juin 1991. Aussi, elle constitue l'un des projets phares du premier plan décennal de mise en œuvre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine sous le slogan de l'Afrique que nous voulons, qui traduit un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique à réaliser au cours des 50 prochaines années et constitue même la plus grande zone de libre-échange dans le monde avec 54 pays. L'Algérie, représentée par le ministère du Commerce, a participé aux négociations depuis leur lancement en 2015. Ces dernières ont été couronnées par la signature de l'accord portant création de l'ASLECAF le 21 mars 2018 au Rwanda, à Kigali, avec l'adoption de trois protocoles relatifs au commerce de marchandises, au commerce des services et aux règles et procédures régissant le règlement des différends. Ces protocoles concernent la première phase de négociation, du fait que la deuxième phase et la troisième phase traiteront les protocoles sur l'investissement, les droits de propriété intellectuelle, ainsi que la concurrence et enfin le commerce électronique. Le 1er janvier 2021, les échanges commerciaux dans le cadre de l'ASLEC entre les États parties ont été lancés et ont commencé à bénéficier des avantages préférentiels accordés par cette zone, tout en rappelant que les échanges commerciaux devaient commencer le 1er juillet 2020, mais en raison des répercussions de la pandémie, comme mes prédécesseurs l'ont soulevé, de la COVID, cette date a été reportée au 1-1-2021. Il y a lieu, entre autres, de signaler que l'Algérie figure parmi
les premiers signataires de l'accord portant sur la création de la SLECA et a participé de manière régulière et effective dans les différentes institutions de négociation de la SLECA depuis leur lancement. À ce jour, sur les 54 pays signataires de l'accord SLECAF, 35 pays ont déposé leurs instruments de ratification de l'accord. La dernière semaine, c'était le Malawi. Dans ce contexte, il faut noter que les États membres de la SLECAF qui ont ratifié l'accord portant création de la SLECAF auront le statut d'État partie, leur permettant de participer dans les négociations de la SLECAF et la prise de décision. Et ceux qui ne l'ont pas ratifié seront désignés comme des États non partis. À ce sujet, je tiens à vous informer que l'AGIL a entamé les procédures de ratification de l'accord portant création de la SLECAF et que la loi numéro 10-20 portant approbation de l'accord de la SLECAF a été publiée dans l'attente de l'accomplissement de la procédure de ratification conformément à la réglementation nationale en vigueur, ce qui permettra à l'Algérie d'acquérir le statut d'État parti et profiter des privilèges préférentiels accordés dans le cadre de cette zone, c'est-à-dire signature par M. le Président de la République du décret et afférent. Mesdames et messieurs, il faut noter que le début des échanges des marchandises et des services entre les États parties de la zone stimulera, comme l'a bien précisé M. Bessemann, le commerce interafricain qui constitue un marché de 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut de 2,5 milliards et créera également un marché de 3 000 milliards de dollars sans droit de douane et augmentera les flux commerciaux dans le continent africain d'une proportion de 52% d'ici 2022, qui ne dépasse pas actuellement les 16%. Celui-ci, qui est considéré comme l'une des régions les plus faibles en termes d'échanges commerciaux, qui représente 47% pour le continent américain, 61% pour l'Asie et 67% pour l'Europe, selon les données bien sûr publiées par la Conférence des Nations Unies du commerce et de développement CNUSET en 2019. Il y a lieu d'indiquer que la libéralisation des échanges commerciaux dans le cadre de la SLECAF s'effectue à travers l'élimination progressive des droits de douane à l'échelle de 90% des lignes tarifaires à partir du mois de janvier 2021, sur une période de 5 ans pour les pays non PMA, pays moins développés, et de 10 ans pour les PMA. Quant aux 10%, des lignes tarifaires restantes, ils sont constitués des produits sensibles représentant les 7% des lignes tarifaires qui seront libérés progressivement sur une période de 10 ans pour les pays en développement et de 13 ans pour les PME. Et restent les produits exclus de la libération qui représentent 3% des lignes tarifaires. C'est des produits sensibles et prioritaires. Il est également prévu, selon l'étude réalisée par la Commission économique pour l'Afrique, CERA, qu'en 2030, les domaines d'exportation entre les pays du continent passeront de 6% à 28% dans le domaine de l'agriculture, 3 à 11% dans le domaine des ressources minérales, 11 à 19% dans le domaine des industries alimentaires, 14 à 24% dans le domaine des industries manufacturières et enfin de 0,4% à 1,3% dans le domaine des services. Mesdames et messieurs, la mise en place de la SLECAF pourrait représenter pour l'Algérie un potentiel important pour développer et intensifier son commerce avec l'Afrique. Quand bien même en 2019, les échanges commerciaux de l'Algérie avec 6 pays africains représentaient la modeste somme de 3,508 milliards de dollars, soit une moyenne de 3% du total de nos échanges avec le monde, constitué principalement de 2,166 milliards de dollars à l'export et de 1,339 milliards de dollars à l'import. L'essentiel de ces échanges se fait avec les pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, qui sont couverts par notre accord à la grande zone arabe du libre-échange. Comme vous le savez tous, la présence commerciale de l'Algérie sur le continent africain est très faible par rapport à certains pays voisins, étant donné que nous ne sommes pas affiliés à aucun des principaux CER, tels que la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et le marché commun de l'Afrique du Sud-Ouest, c'est-à-dire la COMESA, à l'exception de l'Union du Maghreb arabe, c'est-à-dire l'UMA, qui reste malheureusement jusqu'à présent une communauté non active. En dépit de cette situation, les exportateurs algériens manifestent un grand intérêt pour le marché africain. En effet, les produits algériens ayant enregistré leur présence, ils ont enregistré leur présence dans 24 pays au cours de la période 2016-2019. Ainsi, l'adhésion de l'Algérie à cette région lui permettra de situer commercialement
se situer commercialement à l'intérieur du continent et permettra de mettre en évidence son rôle économique et commercial et l'exploitation des potentiels d'exportation vers les marchés africains, notamment avec la position géographique qui présente un avantage et constitue une porte d'entrée pour les exportations algériennes vers plusieurs pays limitrophes, à savoir le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie et le Maroc. Et ce, à travers de nombreux points frontaliers, tels que Talb al-Arbi Bouchka et Omotaboul pour la Tunisie, Mustapha Ben Moulaï pour la Mauritanie, Ras Jdir pour la Libye, et enfin Tinzawatini Ngzem pour le Mali et le Niger. Alors, l'intégration économique de notre pays dans ce continent reste et demeure un choix stratégique qui passe impérativement par le commerce interafricain. En effet, l'investissement et le commerce demeurent des éléments clés pour soutenir une bonne croissance et un développement économique durable. Dans ce contexte d'intégration régionale, l'Algérie a œuvré pour la réalisation de grands projets structurants et intégrationnistes de portée régionale et continentale tels que, j'insiste sur ça, la route transsaharienne reliant Alger à Lagos permettant de désenclaver l'ensemble de la région, le gazoduc devant relier le Nigeria à l'Algérie doublé par un câble fibre optique et enfin le port de Cherchel qui sera un hub de fret maritime entre l'Afrique et le monde. En outre, je vous informe que nous préparons une stratégie nationale appropriée pour l'entrée effective de la zone de libre-échange africaine en coopération avec la CEA, c'est-à-dire la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, dans le but d'identifier les opportunités et les menaces attendues de l'adhésion de l'Algérie à cette région. Mesdames et messieurs, l'Algérie ouvre à développer son commerce extérieur, notamment avec les pays africains. Cet effet, une stratégie nationale pour la promotion des exportations aux hydrocarbures a été établie comme l'un des points les plus importants, énuméré dans la feuille de route du gouvernement pour l'encadrement du commerce extérieur, en vue de diversifier et de promouvoir la production nationale et les exportations de produits hors hydrocarbures. Dans ce contexte, il a été identifié les secteurs prioritaires ci-après dans la feuille de route 2020-2024. En premier lieu, l'industrie alimentaire, les médicaments et les dispositifs médicaux, les pièces et composants d'industrie automobile et enfin les technologies de l'information et de la numérisation. Cette stratégie permettra aux opérateurs économiques algériens de pénétrer les marchés africains. Aussi, et afin que notre pays puisse bénéficier de cette zone, permettez-moi enfin de lancer un appel via cette plateforme par lequel j'invite tous les chambres de commerce, les organisations patronales, les sociétés d'affaires, les hommes d'affaires à travailler dans un partenariat gagnant-gagnant au profit de toute l'Afrique et faire de ce formidable saut qui est l'ASLECAF dans le processus d'intégration du continent une opportunité à mettre en œuvre dans les plans d'industrialisation et de développement des infrastructures et de l'agriculture en Afrique. Merci bien de votre attention.